Le principe de la baguette en attente est simple. Au moment d'acheter votre baguette, vous en payez deux et laissez la seconde en attente pour des nécessiteux. Quand on a le cœur sur la main, quand on est solidaire, quand on voit quelqu'un dans la rue qui est assis et qui fait la manche, plutôt que de lui donner une pièce, bah vous lui donnez une baguette. La seule contrainte qu'il a, ce monsieur ou cette dame, c'est de venir le chercher ici. Ça peut être un retraité, ça peut être un étudiant en difficulté, ça peut être un SDF, ça peut être n'importe qui. Ça peut être quelqu'un qui a faim, tout simplement. Calqué sur le modèle du café suspendu en Italie, cette initiative citoyenne est apparue en France en mai 2013 et compte aujourd'hui 77 boulangers qui ont tout à y gagner. Créer le buzz sur une action comme celle-là, qui est une action générosité, j'ai trouvé que c'était extraordinaire, voilà, tout simplement. Mais le mouvement est avant tout une initiative citoyenne, basée sur la générosité de chacun, autour d'un produit de première nécessité et hautement symbolique, le pain. Ce sont des petits gestes comme ça qui compensent de grands déséquilibres. Prendre soin des indigents, des gens qui ont des problèmes financiers importants et qui ne mangent pas à leur faim, hein. Effectivement, c'est une très bonne idée. Tout le monde peut faire un petit geste, c'est comme ça que ça commence, donc c'est très très bien. Un élan de solidarité vers les plus démunis que le boulanger nîmois relaie, mais il continuera aussi à distribuer ses invendus, comme il l'a eu fait auprès d'Emmaüs ou des Restos du Cœur, lui qui en 98 a connu la précarité et dormi dans sa voiture.